Bonjour à tous, bonjour à tous. Hein. Alors aujourd'hui, j'ai un petit courrier qui me fait rigoler, mais moi j'en rigole toujours parce que je m'en contrefiche. Vous savez, ça a rapport à Orange Pro. J'ai arrêté parce que. Bref. J'ai pas envie de lire, mais bon, faut que je le lise. Alors. Rendez-vous au. Ouais, voilà. Il me demande de me déplacer. Ben, je me déplacerai pas, parce que je sais que c'est mytho. Je connais maintenant leur système. Voilà, c'est tout simple. Hein. C'est complètement. Voilà. Et en même temps. Une autre petite lettre. Voilà. Une autre petite lettre. Ah, pardon, désolé. Une autre petite lettre, toujours la même entreprise. Hein. En rouge. Vous voyez? Vous savez, j'en prends pas rigueur. Hein. Franchement, pas du tout même. Donc, tout simple. Ça, c'est juste pour faire peur aux gens, c'est tout. À n'importe qui, hein, faut pas avoir peur, faut comprendre que moi j'ai eu la même chose avec Numéricable. Et avec Numéricable, voilà. Alors là, c'est une lettre, c'est un beau courrier. J'aime bien ce genre de courrier, rougeole comme ça, blablabli, blablabla. C'est marqué quoi? On n'y comprend rien parce que c'est sombre. Bon, alors je te fais. C'est marqué trouloulu, trouloula, tralali, tralala. Avis de transport. Avis de transport de l'huissier de justice à foutre. Oh, maintenant il y a Jussier. Là, c'est facile ça, de mettre ça en route. C'est marrant. Ils envoient un comme ça et après ils envoient un autre. Hein. Et c'est le même. Hein. Alors. Oh là là! Bon, bref. J'en prends même pas rigueur. Avis de transport de machin. Bah, c'est franchement, moi. Alors, je dis franchement, non. Faut arrêter de faire peur à tout le monde. Juste pour 300 balles. Et encore, l'opérateur, il arnaque beaucoup plus les autres. Surtout la clientèle, n'importe quelle clientèle. N'importe quelle clientèle, la vôtre. Donc vous, moi, n'importe qui. Donc c'est pour ça que j'ai quitté Orange. Et encore, c'est pas pour quitter Orange que j'avais fait ça. J'arrivais pu suivre. Donc sinon j'aurais payé, je m'en foutrais. Mais là, bon, c'est bon, c'est bon. En plus, j'aime bien leur publicité, leur truc. C'était tout simplement quand vous commandez quelque chose, bah, vous avez demandé ça. Vous avez la box. Vous avez les communications limitées, c'est tout normal, c'est tout à fait normal. Après, tout simplement, bah, écoutez, il y a eu, comment dire, il y a eu aussi de la publicité, donc de leur publicité à eux, tout simplement, de dire voilà, ouais, ça vous intéresse, plusieurs lignes, malgré que tu dis non, mais voilà, faut toujours t'appeler. Ça appelait souvent, hein, que des conneries comme ça. Alors, moi je vous dis, pour 4000 euros, on ne se déplace pas pour ça, quand même, il y a un problème. Et là, c'est pour déplacer pour 300 euros. Faut arrêter, hein. Ça, c'est facile à envoyer pour quelqu'un, ça. N'importe qui, hein, à monsieur, madame, tout le monde. Même si la société est fermée, on envoie, ça ne sert à rien d'envoyer parce que ça ne sert à rien. Parce que c'est juste pour se foutre. Alors,
Là, c'est déplacer un huissier. Moi, je dirais ce que je pense. Je dis, écoutez, monsieur, ça sert à quoi? Pour 300 balles, vous allez déplacer pour 2000 euros. Même pas. Arrêtez. Il y a plus de 5000 euros que je devais à machin chouette. 5000. Et que là, ça vaut même pas 5000 euros. Non, ouais. Ça, c'est le genre de courrier que j'en prends même pas rigueur, mais je le garde. Je le regarde parce que ça me fait rigoler. C'est tout. Mais qui est dommage, c'est que beaucoup de personnes se font arnaquer quand même dans ce domaine-là. Vous payez un opérateur par exemple, allez, 500 balles, 500 balles, je dis 500 balles en façon de parler. 500 balles. Il vous fournit quoi? De temps en temps, problème de panne. De temps en temps, qualité de connexion. Un tas de trucs comme ça. Ne dites pas le contraire, vous-même, vous le savez. De temps en temps, vous avez même votre Bouygues, vous allez dans un endroit, vous captez même pas. Vous allez avec votre fixe, pareil, tu arrives à un certain endroit, ça va être bizarre, ton fixe il fait plus la patate. Donc il faut arrêter les conneries, tu payes cher, on paye cher. Je vais vous dire combien je payais, j'ai payé 55 euros par mois. Et j'ai bien dit, sans TTC. D'accord? Sans TTC. Ok? Et je compte la TTC, j'en ai pour 70 balles par mois. J'en avais pour 70 euros par mois. Donc franchement, les conneries. Alors, même si j'aurais payé, c'est pourquoi? C'est bien de payer, mais bon, il y a une limite, quoi. Une grosse limite. Voilà, tout simple. Bah, pour moi, bof. Elle peut me mettre, moi je dirais, les gestiers, je dirais, écoutez, vous représentez quoi? Quelle justice? Vous représentez tout simplement rien du tout. Vous n'appartenez pas au tribunal d'instance. Moi, si je veux, vous pouvez me convoquer au tribunal. Là. Le tribunal, il pourra me dire si je suis en tort. Malgré que je suis comme tout le monde. La ras-le-bol. Donc, la ras-le-bol. Donc, même si j'aurais payé les 300 euros, c'est pareil. En plus, ça fait bidon leur truc parce que franchement. Bon, bref, voilà. Bon, je vous remercie. À la prochaine vidéo et prenez ça au sérieux.